place à la reine du conse, du conservatoire. Place à la chienne qui fonce, fonce tout droit vers la gloire. Mademoiselle sans gêne défonce le vieux répertoire. Sortez la bande annonce. Colonne touriste à ton actrice, toi t'attends ta main, Sarah Bernard, impératrice du conservatoire. Merci de, de nous recevoir dans votre loge avant le spectacle. Bonjour. Bah, j'ai fait là, Le Seigneur des Anneaux pendant 16 mois à Londres. On avait déjà ce projet de l'opéra de Sarah. Et puis Alain m'a attendu pendant 16 mois. Et puis voilà, on est maintenant on est au Théâtre de l'Œuvre et Gérard Marron nous a accueillis. Et on fait ce spectacle que j'adore. Quelle a été votre réaction quand Alain vous a proposé de jouer ce spectacle? C'est un spectacle écrit pour vous, de toute façon. Oui. Je suis un peu allé le chercher. Hein. Je lui ai dit que j'ai vu ce qu'il avait fait à l'opéra avec le Paris d'Aziz et Mamadou. Et je lui ai dit que je trouvais son écriture formidable, sa composition et son écriture en tant qu'auteur aussi. Et je lui ai dit, si tu veux m'écrire un spectacle, c'est quand tu veux. Et puis il m'a rappelé pour me dire, j'ai une idée, Sarah Bernard, ça te dit? J'ai dit oui. Et votre réaction quand vous avez vu arriver le premier matériel? Parce que, comme je l'ai dit à Alain Marcel, c'est un grand malade pour s'être lancé dans cette aventure. Et vous êtes un peu malade vous aussi, pour avoir accepté. Oui, sans doute, oui. Oui. Oui, Alain c'est un fou furieux, donc il est imprévisible, il donne les choses comme ça, il travaille dans l'urgence, il est étonnant. Donc j'ai pas vraiment eu le temps de me dire quoi que ce soit, puisqu'on devait faire une lecture et qu'il m'a donné le matériel genre 3 jours avant, donc j'ai tout pris et puis j'ai foncé. Comment tient-on un spectacle de 2 fois 2 heures, même si là, au Théâtre de l'Œuvre, vous ne jouez que la première partie? Comment tient-on en tant qu'homme, en tant qu'acteur, en tant que... On dort beaucoup. On dort beaucoup maintenant qu'on a pris un rythme. Je me rends compte qu'il faut que... ça me demande beaucoup de préparation, de concentration, de calme avant le spectacle. De me refaire le texte, de travailler beaucoup sur la relaxation, aussi un échauffement. Parce que c'est très physique, il faut tenir la scène pendant... maintenant, ça fait 1h40. Ça demande énormément, donc voilà, j'ai un peu une vie d'ermite. Vous jouez plus de 80 personnages. Voilà, plus de 80 personnages, c'est... Je me rends pas vraiment compte, parce qu'une fois qu'on est parti, ça file et on y va, quoi. C'est une narration, donc il faut raconter, c'est une narration parlée et chantée. C'est là qu'est un peu la gageure, si on veut dire, la technicité. Quoi. Il faut vraiment pouvoir maîtriser les deux, garder une fluidité, en même temps, à chaque fois, pouvoir incarner à chaque seconde les personnages. Enfin, il y a tout un travail qu'on a un peu comme ça, qu'Alain a d'ailleurs inventé. C'est une forme assez nouvelle qu'on ne connaît pas. C'est quelque chose de... nouveau, voilà. Mais c'est quand même surtout une narration, donc l'objet c'est toujours de raconter l'histoire de Sarah Bernard. Oui, je me présente au conservatoire, c'est un chemin de ronces, un vrai purgatoire. S'il me criait prononce, remue tes mâchoires, ou s'il disait renonce, au pire, va te faire voir. Ah non, j'ai trop peur, je préfère m'en aller. Mais Sarah, enfin, tu n'y penses pas? Morny a très chaudement recommandé à M. Roubaix, directeur du conservatoire. Alors je suis sûr d'être admise. L'huissier. Mademoiselle Bernard, c'est à vous. L'huissier que l'on m'annonce à ce terrible auditoire. Sarah entre dans la salle. Rochette de très grands acteurs de la comédie française. Messieurs, cet œil qui fronce, me laisse-t-il un espoir? Madame Augustine Brohan, grand premier rôle, j'ai la grimace devant la maigreur de Sarah. Tout mon esprit s'enfonce dans la nuit la plus noire. Mademoiselle Stella Colla, déjà ingénue sous le premier empire, déteste cette chevelure broussailleuse. Ma prestation s'annonce et les...
voir. Mais c'est un plaisir particulier, voire légèrement pervers pour un acteur, d'avoir l'auteur sous la main et de pouvoir lui dire non, ça vraiment non, c'est, ça je ne peux pas jouer, ou ça je voudrais jouer ça autrement. Écris-moi plutôt ça. Oui, c'est bien ça. Ça, c'est très bien. Parce qu'en fait, on a travaillé à l'écriture ensemble, surtout là, à l'œuvre. On était vraiment... il nous amenait le matériel, et puis moi, je disais, à ça, à mon avis, ça ne fonctionnera pas. D'ailleurs, au final, c'est un peu ce qui se passe. Alain, ça l'ennuyait beaucoup qu'on coupe certains trucs, et... au final, le spectacle gagne en dynamique et en force. Mais c'est vrai que la vie de Sarah Bernhardt est tellement passionnante, foisonnante, qu'on pourrait en faire 10 heures. C'est étonnant. Il y a tellement d'anecdotes qui sont drôles, qui sont prenantes, qui sont poignantes. C'est énorme. Donc il a fallu faire des choix. Et ça, c'était très bien de pouvoir dire ça oui, ça non... Ça, je peux faire, ça, je peux pas faire. Mais, ce qui est formidable avec Alain, c'est qu'il écrit sur mesure. Il a vu ce que je sais faire. Il m'avait vu dans Road Movie, qui était un monologue que j'avais fait il y a quelques années. Et je crois que c'est ça qui lui a donné l'idée d'un seul en scène avec moi. Ça, c'est pour un acteur, c'est un bijou. Quand on a un auteur qui vous écrit sur mesure un truc comme ça, on est content. De nouveau, face à mon miroir, je mesure mon trop peu de forme. À l'œil nu, il est aisé de voir que je suis très affranchi des normes. Ce menton, le carré cobalt, ce derrière volontaire et musclé, ces deux hanches presque verticales. Un très saillant mais bandé, corps tendu, je corrige la pose, et usant de ma double gamme, je poursuis ma métamorphose, endormant les restes de femme. Dans très peu, je serai complète, le garçon que je suis sera prête. Je vais jouer. Jouer à l'eau, je suis doué, vraiment doué, pour faire la somme du sauvage, du délicat, du romantique, du cœur plat, du tendre, du sophistiqué, du fragile et du mal élevé, du viril, de l'évanescent, moi, l'audacieux adolescent, Dieu soit loué, je vais jouer à l'eau. Mademoiselle Bernhardt, 15 minutes! Préféré à jouer dans le spectacle? J'aime beaucoup jouer à l'homme, cette chanson qu'elle se chante à elle-même dans sa loge avant d'entrer en scène pour incarner pour la première fois de sa vie un homme, parce qu'elle en a joué plein. Et en fait, c'est aussi un peu ça c'est de ça qu'on est parti au début. C'était l'idée de la mise en abîme d'un acteur, un homme, qui joue Sarah Bernhardt, qui a passé sa vie à jouer des hommes. Et ce moment-là, c'est tout à fait représentatif de ça, de ce concept initial. Ça, j'aime beaucoup ce moment. Il y a plein de moments que j'aime. J'aime beaucoup la tournée américaine qu'on aura dans la deuxième partie, qui est une espèce d'exubérance loufoque. Je crois que c'est, à mon avis, c'est Alain pour moi, c'est ce que je préfère, parce que je ne veux pas dire à son summum, je trouve que son écriture est formidable, de bout en bout. La tournée américaine, et puis certaines, dans la seconde partie, on aura plus d'aria aussi, plus de chansons entières, de credo de Sarah, comme Plaire, comme L'amour du théâtre, qui sont des magnifiques chansons, qui sont des monuments pour moi. C'est hallucinant. Je trouve ça un peu dommage qu'on les voit pas en première partie, mais enfin bon, quand je ferai des intégrales,
Là, donc, jouer deux fois 1h40, 1h45 d'affilée. Ça va être votre Wagner à vous, Jérôme. Voyons. Et y a-t-il un personnage en particulier que vous auriez aimé, outre Sarah, que vous auriez aimé être dans la foultitude de personnages que vous incarnez? À part Sarah. Bien sûr. Puisque Sarah, c'est vous. Que j'aurais aimé être peut-être un des deux Dumas. Peut-être Jarrette, ce baroudeur fou, agent de Sarah Bernhardt qui lui a fait toutes ses tournées internationales, qui a fait d'elle une star mondiale. Un homme assez étonnant, qu'on a un peu transformé en maître de cérémonie dans le spectacle. Mais non, c'est surtout c'est le bonheur d'être Sarah Bernhardt. Jérôme Pradon, merci. Nous allons justement vous laisser à tout le bonheur de vous préparer à être Sarah Bernhardt. Merci de nous avoir reçus. Merci. Et à très bientôt et bon vent pour cette Avant l'Amérique. Le rock et roule, on en reparlera. C'est moi qui vous le dis. Lady London, toi qui nous donnes tout ton talent, tout ton argent, on te pardonne. Lady London, ta ménagerie et tes singeries, quand tu t'adonnes, Lady London, à ce madame, ce délire réclame, on te pardonne, Lady London, tout est rempli des plus extravagantes lubies. Le prince de Galles est rempli pour la vie, ça va aussi. Je reviendrai jouer ma gare, plus sais-je, occuper Buckingham. Mais vous y êtes, chez vous. Lady London, tu nous frottes la folle rengaine de tes frottes. Toi, c'est fine, toi, divine. You so fine, you divine. Tu nous quittes.